Et salut tout le monde, c'est Zone Piece et on se retrouve pour l'épisode 29 de Spyro Year of the Dragon. Et oui, avec mon chat sur les genoux, alors j'espère que tu vas me porter bonne humeur même s'il est noir. Et oui, pas de racisme envers les chats. Et... what the fuck. Donc on se retrouve pour l'épisode 29 qui est l'avant-dernier épisode du Let's Play. J'en suis sûr maintenant, sûr et certain. Parce que dans cet épisode, on va juste faire Circuit du Port, donc on va y aller tout de suite. Et je tiens à repréciser quand même si je l'ai dit 40 fois. Dans le prochain épisode, j'aurais déjà fait la sorcière au début de l'épisode. Je l'aurais déjà tourné. Alors attendez. Voici le célèbre circuit du port la plus élitiste de toutes les courses. Seuls les champions du monde ont le droit d'y courir. Les champions... aïe, le chat qui sort. Les champions locaux sont une bande de nigauds aux pieds bleus qui n'ont jamais perdu une seule course. Ok, donc j'étais en train de dire... j'aurais déjà tourné au début de l'épisode. Et je vous ferai la fin... enfin la fin, entre guillemets, le 100% au début de l'épisode. Et ensuite, je vous mettrai la sorcière que j'aurais tourné avant. Donc je ferai une ellipse back in time pour vous mettre la fin du jeu à la fin, quoi. Enfin, le générique de fin à la fin. Ce serait plus logique, mais donc on obtiendra le 100% au début de l'épisode. Donc voilà, c'était pour pas vous perdre en fait. Alors on va faire une course contre la montre. Le moyen le plus facile d'obtenir le bon temps est... mouette, arche, homard, poisson. Mouette, arche, homard, poisson. Alors les mouettes, vous allez prendre cher. Et oh, mouette, arche, homard et poisson. D'accord, je vois dans quel ordre il faut y faire. Alors là, je me concentre, cet épisode, c'est l'épisode concentration. Il faut absolument qu'on finisse Circuit du Port dans cet épisode si on veut enchaîner sur la sorcière après. Et en plus, dans le prochain épisode, l'épisode suivant sera plus long, obligé, parce qu'on fera le niveau de Sparks, un petit truc qui durera pas longtemps, je pense, et la sorcière, quoi, du coup, ce sera beaucoup plus long. Wouah! Oh. C'est un port ou un arrêt au port? C'était marrant comme blague. Bref, c'est juste des porte-avions, c'est pour ça. Pour l'instant, on s'en sort très bien. Vu que j'ai bien fait dans le bon sens, ça va très très bien. Après, niveau temps, est-ce qu'on est bon? Oh! Oh non! Shit, j'aurais pas dû parler. Ah, j'ai oublié qu'on avait si peu de vie. Va peut-être falloir que je ferme les vies pour la sorcière. Parce que sinon on va peut-être en chier. Je sais plus comment on fait la sorcière en fait. Du coup ça risque d'être un peu chaud aussi. Parce que je me souviens plus du tout. Je me souviens d'une phase. Enfin ouais, vous verrez ça au moment voulu, c'est-à-dire dimanche. Allez hop, on passe par là. Ok, go 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 go. On voit le skill de l'entraînement des trois courses précédentes. Le skill, est-ce que j'ai le skill pour le faire en deux fois seulement? Alors que c'est la dernière course et c'est la plus difficile. Attention, go. Là je peux faire atterrir parce qu'on va plus vite. Ok, j'ai complètement chaud. Le skill les amis. Est-ce que ça sera l'épisode PGM ou l'épisode gros noob? Ok, on le crame la gueule. Lui, on lui crame la gueule. On fait des poissons grillés. Là, j'aurais pu atterrir. A mon avis, il faut atterrir en fait. Boum. Je suis arrivé. Vite, il m'en reste plus que deux. Ouf, à 3 secondes. 4 secondes quasi. J'aurais dû atterrir le premier coup et je les aurais eus. J'aurais pu pas eu à faire un tour de plus. Mais bon, on y est arrivé quand même en deux coups. C'est pas mal. Il y a des fois on en a plus chier, comme le circuit de la ferme, je pense. Waouh! Tu viens d'établir un nouveau record de vitesse jamais vu dans l'histoire du circuit du port. Seule une poignée de coureurs au monde est capable d'aller aussi vite. J'ai hâte de raconter ça aux autres dragons. Merci Sparks. Cobb. Alors. Quel défi voudrais-tu relever?
là. Course contre les Nigo au pied bleu. Les pointillés rouges, ça je sais. Alors là, ça va être le plus dur. Comme à chaque fois, la course. Oh là là, ils voient une vitesse. Les amis, ça va être très difficile. Il va falloir que je prenne toutes les étoiles bleues, à mon avis. Il va falloir que je recommence plusieurs fois aussi, parce que je connais pas au début tous les bons passages. Comme là à droite, il y avait une étoile bleue. Enfin, à gauche, il y avait une étoile bleue, mais est-ce que il fallait que je la prenne tout de suite? C'était pour plus tard. Oh putain, il y en avait une autre là. Comment je les trace? Il y en avait 4 de suite là, je savais pas du tout. Du coup, j'ai pas pu y faire. Ok. Ok, c'est pour maintenant l'étoile bleue que j'avais vue. Oh putain, non! Envole-toi! Je me suis pris le poteau en même temps, ça fait un truc trop chelou. Ok, ça va être très très difficile. En plus, je crois qu'on peut pas atterrir. Oh non! Non, non, j'étais dedans là. Ah, ils m'ont volé l'étoile. Qui a volé l'étoile du marchand de sable. C'était naze. Est-ce qu'on peut atterrir? Oui, on peut atterrir, putain! Il faut que j'atterrisse. Le moment de la course, ça se fera au sol. Ok. Ok, ok, les amis. Boum, toi, tu prends ça dans le cul. Faut le niquer, faut le niquer. Ok, on lui a cramé les fesses. Ah oui, c'est vrai, là, il y en a plein. Ah! Non, j'y crois pas, j'en ai raté 2 sur 4. Je suis complètement naze de course. Ça va être chaud pour aller choper le missile là-bas. Ah, 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 j'ai encore fait le même coup, quasi. Je vais me reprendre le poteau. Non! Ah ouais, mais. Est-ce qu'il y aurait pas. Faire comme ça. Ok, non! On prend pas le mur. Ah ouais, mais on prend pas l'étoile du coup. Pas du tout les amis ce qu'il faut faire. En tout cas ici il faut bien courir, je pense. On gagne un peu de temps. Oh là 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 là, on est du quatrième. Bon, je connais pas la course en même temps. J'ai pas pris toutes les étoiles, c'est pas possible, les missiles qui font dans le vide. Enfin dans le mur. Non. Putain, j'ai raté les dernières. Non mais j'ai raté les deux dernières. Ouh là là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh là 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 là. Je prends pas le missile à chaque fois ici parce que j'ai trop peur de rater le cerceau après. Non, là, je sais pas du tout si ça vaut le coup de descendre. Parce qu'il y a une étoile juste après là. Faut la choper quoi. Oh là là là. Je peux même pas lui cramer les fesses. Ok, j'ai quasiment fini 3ème en 3 minutes. Donc à mon avis, il faut faire en 2030. Ça va être chaud. En 2030, si on n'assomme pas les ennemis. Un coup de missile ou de lance-flamme, là. Ok, 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 ok. Faut prendre le plus court possible. Boum. Pousse-toi. Pousse-toi. Il me pousse. Fumier. Ok, ok, ça c'était le skill. J'ai pris les 4. Je suis arrivé. Tiens, on attrape le 4ème. Ok, j'y suis arrivé. Ok, je commence à connaître la map, ça va mieux. Par contre là il a pris la falaise je crois, le missile, parce que il a pas le cul en feu lui. Les étoiles quoi, je vais même pas assez vite. Ayake Moto Ayake. Bon, je l'ai rattrapé. Ah non, j'ai oublié l'étoile. Voilà, je voulais les cramer le cul. Ok, je suis 4ème. C'est naze, je sais. Mais je fais ce que je peux. Non. Oh le boulet, oh le boulet, il s'est trompé de bouton. Oh le boulet, oh le boulet. Oh le noob, il se trompe de bouton quoi. Vous croyez ça? J'avais pas pensé à faire ça au début de la première course. Ah, de la deuxième course, pardon. Hop. Ayake Moto Ayake. Boum.
Crame la queue. Oh non, 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 non. Le caillou. J'ai frôlé le caillou, je vous jure. Ah, ça sent les vips. Ça va pas du tout être l'épisode PGM. C'est moi qui vous le dis. Il y a que... Alors là, je parle japonais. Putain, alors, les gens ils doivent se dire. Mais il est fou, lui. Hein, il est complètement à feu. Il dit, ah, y'a que, ça veut dire quoi, y'a que. Je préfère les que. Ça veut dire rapide. Enfin, vite. Plus vite. Plus vite. J'en ai raté une, j'en ai raté deux. Putain, j'y crois pas. Face. D'ailleurs, je suis passé tranquillou, je les ai tous eu, et là. J'ai plus du tout. C'est sympa. Ok, 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 ok. Le skill. Le skill, les amis. Je suis quatrième. Il s'agit maintenant de passer troisième. Ok, l'étoile, 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 l'étoile. Faut être rapide. Ils sont tous là. 3, 2, 1. Oui, c'est bon, ils sont tous là. Il faut juste que j'arrive à les doubler. Par toi. Ok, 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 ok. Je peux pas les cramer. Je nique le premier, sinon il va partir trop loin. Mais arrête de me pousser, toi! Vous avez vu comment il poussait, cet enculé, là? Ok. Ok. Ok! Raté le dernier. Il est encore devant! Mais il est où, bordel de merde, là? Il les a eu, lui, les étoiles aussi. C'est pas possible, sinon. Ok, il est là. Il est là, il est là. Il prend pas l'étoile du bas, là. Il est tout fou. Boum! Dans le cul. Allez, on peut le doubler, on peut le doubler. Ok, nique le cul. On est premier, on est premier. Maintenant il suffit de rester. De toute façon, à chaque fois qu'il va me doubler, je vais lui cramer le cul. Comme ça il pourra pas trop me doubler, m'avancer. Ok, là on s'en sort bien les amis. Il suffit juste de pas tomber dans l'eau. C'est ça le souci. On est à 15 minutes de vidéo, donc je pense qu'on... Enfin, juste ce niveau là parce qu'il reste encore chasseur après. Je me trompe pas de bouton cette fois-ci, les amis. Oh putain, j'ai oublié de passer par là. Non! J'ai préféré rater l'étoile que. J'ai préféré rater l'étoile que foncer dans le vide, quoi. Enfin, de foncer dans l'eau. Oui, j'ai un peu de mal ce soir. En cette soirée, j'ai un peu mal. Tiens, toi t'as rien fait, mais je te dis quand même. Bon, j'en ai un autre là. S'il me double le premier, il est multi quand même. Faut pas aller direct là. Je stresse, je stresse. Pas de raison de stresser. Je prends pas l'étoile, histoire d'être sûr. Ok, 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 ok. J'ai fait quasiment le même temps, sauf que j'ai niqué le premier et du coup ça a l'air ralenti. Les oiseaux n'en veulent pas de les avoir battus à la course. Après tout, les dragons détenaient tous les records de vitesse il y a 1000 ans de cela. Jesse, James, la team Rocket, plus rapide de lumière, rendez-vous tous sur la guerre. Bien, où suis la guerre? Pardon. Quel défi voudrais-tu relever? Et bon, on va retourner construire la montre. Et on va essayer de chercher chasseur en fait. Je pense qu'il est peut-être par là. Chasseur. On va être dans un endroit où on passe pas. Parce que je l'ai pas vu. Oh putain, mais je suis nul là. Je perds même au truc. Ah, je sais où il est au phare. Ça semble logique. Vu qu'on n'y est pas passé du début et que c'est un endroit clé. Un petit peu. Ah si, on est passé pour les portes. Ouais, mais on n'est pas entré dedans. Ouais, c'est cela. Chasseur. Tous les moutons en soucoupe volante. Je viens de voir un autre voler un œuf et s'en aller. Il allait super vite. Mais sa soucoupe a été touchée et elle lâche de la fumée. Je pense que je peux le poursuivre si j'arrive à passer entre les anneaux. Ok. Je vais le poursuivre. Je reviens. Ok, bon bah ça... C'est trop stylé l'autre, il est... C'est Batman. Batman. Du. C'est quoi cette fumée bizarre là? On a dit, il faut juste arriver à le suivre. Oh oh.
C'est un peu difficile à contrôler. C'est plus difficile à contrôler que Spyro. Putain, c'est chaud, hein. Est-ce que je vais y arriver du premier coup, les amis? Ça reste déjà la fin de l'épisode. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il essaie de nous semer, cet enculé. Oh! Tu ne seras pas comme ça! C'est bon! Oh, du premier coup! Alors que je ne connaissais absolument pas le parcours, je ne me souvenais même plus du qu'on faisait ça. Oui! Oui! Hey, c'était moi une! L'œuf a été éjecté juste avant que la soucoupe ne s'écrase! Sarah! Croche. Blague nulle! Spotted! Ok? Alors. Ce défi, votre tour relevé, quittez le niveau. J'espère qu'on verra un tour. J'adore le circuit du port. Et là, les amis, c'est magique. J'ai quasiment fini le jeu. Et si chez moi ça pouvait être écrit, s'il vous plaît. Alors, je dois juste vérifier un truc. On peut toujours pas faire le niveau de Sparks. Spyro, j'ai une mission spéciale. Non, j'en vois ici plus tard. Non, il faut le faire la sorcière avant. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que. Mince, j'ai pas fait le bon truc. Je voulais voir dans l'Atlas général. Voilà, par ici, ça va mieux. 98% du jeu terminé. Il nous reste un seul œuf ici. Et. Deux œufs en tout et 200 joyaux. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'il te manque un œuf? Bah, on perd la sorcière. Mais il y a l'œuf bonus aussi qui est là. Regardez, œuf à vendre qui n'est pas débloquable tout de suite, vous voyez. On peut pas l'avoir tout de suite, il faut d'abord vaincre la sorcière. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Oui, il est très court, il fait à peine 20 minutes, je crois. Mais c'est pas grave, vu que le prochain sera plus long. Vu qu'il y aura le combat de la sorcière, enfin il y aura d'abord le niveau de Sparks pour finir, l'œuf bonus, que vous verrez ce que c'est, franchement, vengeance, j'ai envie de dire, voilà, seul mot que j'ai envie de dire c'est vengeance, pour ceux qui connaissent le jeu, ils voient ce que je veux dire, et l'œuf de la sorcière, tout à la fin, comme je l'ai dit. Donc voilà, on se dit à dimanche pour le dernier épisode de Spyro Year of the Dragon, l'épisode 30. À la prochaine.